Rabbi Akiba a dit qu'une personne qui lit des livres qui véhiculent des croyances qui ne sont pas conformes à la Torah, ces personnes n'ont pas de part dans le Olam Haba. Et Rabbi Shimon et Rabbi Akiba ont tout fait pour que leur génération ne dégringole pas. Plus, tout ce que toi tu mettras comme ligne rouge, il faut savoir que la génération d'après, ils vont aller plus loin que cette ligne rouge-là. Toi, tu renforces le respect de la Torah. Sache que la génération d'après, elle va glisser. C'est comme ça. C'est la baisse des générations. Et si toi, tu permets ci et tu permets ça, à la fin, tout va être permis. Tout. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est opposé très, très fort au rabbani, même de sa génération, comme Rabbi Yehuda Ben Guéri. Il a dit, tout ce que les Romains font, c'est pour leur intérêt, c'est mauvais, s'habiller comme des Romains, c'est pas bien, prendre nos Romains, c'est pas bien, les marchés de Romains, c'est pas bien, les ponts de Romains, tout ça, c'est pour leur intérêt, pour faire des choses pas bien. Et il a dit, on va me mettre en prison, qu'on me mette en prison, on va me poursuivre, qu'ils me poursuivent, ils vont me tuer, ils ont qu'à me tuer. Pareil pour Rabbi Akiva, qui était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. On disait à cette époque, les Romains ont dit, celui qui enseigne la Torah, on le tuera. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Akiva? Il a enseigné la Torah. Notre relation envers notre prochain doit être empreinte de bienveillance et de bonté. Mais lorsqu'il s'agit de protéger la Torah, lorsque la Torah est attaquée, il ne faut pas faire preuve de bonté et de bienveillance, il faut faire preuve de rigueur pour stopper l'hémorragie. Il faut savoir mettre les barrières pour pas que ce soit dégringolade totale dans les générations qui viennent. Ce que toi, tu es un peu cool, les enfants, ils vont être 10 fois plus cool que toi. Par exemple, si dans la tsniout, tu permets ci, tu permets ça, les enfants, ça va être encore pire, et les petits-enfants vont être encore pire. Et c'est comme ça que le peuple juif est dégringole. Comment tu expliques que des enfants et des petits-enfants de grands tzadikim sont arrivés à faire n'importe quoi? Parce que ça a été progressif, doucement, on permet un peu ci, on permet un peu. Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Akiba, ils ont dit, on tient bon et on ne bougera pas. Et c'est comme ça que nous aussi on doit faire.